principal, on se retrouve du coup pour la vidéo de boutique officielle où il y a beaucoup de boutiques. Et évidemment, vous avez dû voir le casier a rechangé encore. C'est un peu perturbant, hein, mais bon. Parce que je sais pas pourquoi il a changé, mais bref, c'est pas grave. Du coup, on regardera ça plus tard pour les changements du coup du casier. Ça fait bizarre de le voir comme ça. Du coup, on passe pour la nouvelle boutique d'aujourd'hui, les tipotes. Est-ce qu'on aura un nouveau skin? Je pense pas, parce qu'on a déjà eu un avec la mise à jour, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont le remettre pour aujourd'hui ce skin là, le skin Opaline version 2, parce que c'est la sortie surfeuse, donc alors ressemble un peu au skin Opaline, mais bref, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, donc vous avez dû la voir. Du coup, ah, on a quand même un nouveau skin, d'accord. Donc on a toujours le skin sortie surfeuse, mais là du coup, la deuxième version du skin Astro, du coup, version rouge, donc voilà, et également, on n'a rien d'autre de voir par celui-là, ok. Du coup, on a également le skin, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être l'acheter, en vrai, elle est très stylée, mais c'est pas une couleur discrète, mais elle ressemble au skin Galaxy. La seule différence, c'est ce Astro Flamme. En version flamme, quoi. Même avec ce sac à dos là, pour faire ce qu'il est. Elle coûte 1500 V-Bucks, donc je m'en doutais un petit peu le prix qu'elle allait coûter. C'est le même prix que le skin qu'il y avait l'autre en Astro, je crois. Du coup, voilà, le petit skin, du coup, pour ceux qui le voulaient, il est sorti aujourd'hui. Vous avez également, du coup, le petit revêtement. Par contre, ce revêtement là, je l'avais vu en photo, en plus, je l'avais publié. En plus, celui-là, je l'aime bien. Par contre, le revêtement, j'aime bien. J'aime beaucoup plus. Ah ouais. Ah non, mais le revêtement, j'adore. Ah, si je me l'achète, je vais plus avoir du bug. Ah non, mais il est stylé, hein. Dites-moi en commentaire si je l'achète ou pas le revêtement. Elle est décidée à ma place, comme ça, je ne culpabilise pas. Non, le revêtement, je l'aime bien. Genre, écoutez, oh, ça, c'est la nouvelle arme, les potes. Je l'ai pas encore essayé, c'est le pistolet de stress. Je vous en avais parlé, là, dans plusieurs vidéos, il y a longtemps. Je vous ai parlé au début de la saison 3, je crois. Il aura, du coup, ce petit outil-là. Donc, on l'aura dans la prochaine. Et là, ils l'ont mis enfin. Donc, peut-être que c'est celui-là, les nouveaux défis, hein, un des défis ou les nouvelles cartes. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle carte. Sont disponibles à carte à remplir, ils en ont rajouté du coup. À la base, il y en avait 49, maintenant ils en ont rajouté d'autres plus. Je pense qu'il y a une des deux que c'est cette arme là qu'il faudra faire des kills peut-être. Donc j'avoue que j'ai hâte d'essayer parce qu'il me partira un petit peu ce flingue là. Du coup, il coûte 500 V-Bucks. Du coup, ce petit revêtement, j'allais dire, il coûte 500 V-Bucks cette arme, mais en vrai, voilà. Donc du coup, c'est ça. Ok, donc il a plus de roquettes, c'est ça maintenant à la place, sûrement. Ok, du coup, ça, ce revêtement là, j'adore ce revêtement. Du coup, il y a également le skin du coup, qui est sorti hier, après la mise à jour. Le skin sorcière surfeuse avec deux custom plus son sac à dos. On a également la petite pioche. Eh ouais, elle est stylée la petite pioche aussi. J'avoue qu'elle est très stylée. On a également du coup le retour du skin Echo avec deux custom. Voilà, pour 1200 V-Bucks, très stylé en soi. Je l'avais déjà de la sombre, donc voilà. Avec deux sacs à dos également, pareil, deux custom aussi. Également la petite pioche, elle aussi, avec deux custom. Et du coup, on a également le planeur aussi. Avec également deux petits custom très stylés en soi pour 800 V-Bucks. Je trouve que c'est en fait, je l'ai jamais acheté, mais j'adore ce planeur pro. Du coup, on a également le skin Sanctum de retour en boutique pour 1500 V-Bucks. Bon, il y a un petit peu une bug de cap là. Voilà. Mais bref, c'est un skin du coup, quand il y a la saison 6, un skin de vampire. Donc, forcément, moi j'adore beaucoup. Hein, forcément, le petit revêtement 0, ça j'en ai plus parlé. Frastral, excusez-moi, pour 500 V-Bucks. Ah, j'ai bugué sur le mot là. Du coup, également, voilà. Ok, on a également Daba fini. D'ailleurs, il y aura une nouvelle danse qui sortira prochainement. Qui aura rapport au skin Renegade, apparemment. Qui s'appellera le vraiment Renegade, le nom de la danse. Donc, j'ai très hâte qu'elle sorte parce que j'ai vu les nouvelles danses qui vont sortir. Ils sont dingues. Je vous assure, j'adore. J'ai très hâte qu'ils sortent les danses. Donc, probablement, je vais économiser les V-Bucks pour l'instant. 800 V-Bucks, ce petit skin également de retour pour 800 V-Bucks, du coup le skin Notuna, également de retour la danse Horse, c'est ce l'ordre pour 800 V-Bucks également. Et pour finir, la petite danse, du coup la petite emote, concentrée à fond, à parler avec Monsieur Tomate, bien sûr, la team Tomate, les potes. Du coup, on se dit à demain pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager aussi si vous voulez, commenter, et surtout, eh bien, faut faire quoi? Bah, s'abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Très important également, les petits potes. N'oubliez pas le petit code créateur qui est juste en bas de la vidéo et au milieu de votre écran. On se dit à demain. Ciao, bye.